Mes amis, c'est dit, m'a dit nous, nous pourquoi oui. Pays Canada, la gon marché pressé derrière pile gros bourgeois dans la République. Ça, c'est trois quêtes là. Chaïlande. Gen pile amis, c'est sanction Nations Unies, yo, même yo tapton. Eh bien là, Nations Unies annonce causé. M'bral bo tout détail yo, puisque fois ça, que le matéli, que le la motte, you nèg sa yo pap ka kache des statuts de résident permanent yo ta gen aux États-Unis, ni des un passeport américain que yo ta gen nan poche yo. Eh bien, nan dossier secteur privé des affaires là, finalement, nèg yo décide mette tête ensemble, chita, prend yon décision, joignent yon entente entre yo pour bay pays en chance, pour bay haïtien yon ti chance. Eh bien, fois ça, nous finalement remarqué, c'est Canada qui a fait causer, c'est international qui a fait causer par rapport à décision que yo prend en moment là pour sanctionner Negyo d'un point de vue économique. Bravo tout détail sous situation ça que secteur privé des affaires là, moun sa honoré les oligarques qu'on peut faire face dans moment là. Nous apprendre que Bob Rae qui c'est ambassadeur canadien auprès des Nations Unies débarqué en Haïti et délégation qui pour quitter Haïti jeudi 9 décembre là. Nos rencontres qui étaient faites depuis hier moi dit nous BSA comme Montana c'est pas capable là yoyé. Eh bien, gagne Steven Benoit lui-même avec toute BSA l'autre membre qui t'a rencontré avec et ambassadeur Bob Rae et yo finalement débat sous dossier Haïti. Yo parlé sous dossier Ariel Henry, Jean-Ariel Henry a à la garde de là dans pays qui ça qui fait etc. pour yo joindre une sortie de crise qui a abouti vers les élections. C'est toute information ça yo, nous pral débattre ensemble dans l'idée pour être connecté à tout ça qui a passé en dedans la République. Déjà moi t'ai annoncé nous que pays Canada après sanction t'ai fin prendre la côte différentes personnalités et bien Nations Unies ONU li décidé mettre pied dans l'eau pour Haïti. Gagné ensemble des formations que coordonnatrice résidente ONU qui en Haïti, qui c'est madame Ulrika Richardson, li annoncé là. Eh bien, nous songe te gagné une résolution qui était votée dans le Conseil de sécurité Nations Unies, résolution 2653 que États-Unis lui-même avec Mexique t'a initié dans l'idée pour aider Haïti faire face avec insécurité, problème gang et acteurs politiques économiques qui financent bandits en Haïti. Eh bien, résolution ça il pral permettre que tout pays qui fait partie de l'Assemblée générale Nations Unies, qui fait partie du Conseil de sécurité Nations Unies, tout le monde sa yo qui te vote, qui adopte résolution pour yo sanctionner depuis ces acteurs politiques et économiques, nèg dans société civile, femme dans société civile, yo joine qui a alimenté violence à gang en dedans pays. Et bien, dans le moment où on a parlé à là, c'est bonne nouvelle qui gagne en dedans Conseil de sécurité, qui gagne en dedans Nations Unies, puisque yo fait nous connaître. 6 janvier 2023 qu'a vini là sanction yo pral pran contre politiciens haïtiens contre nèg ki nan secteur privé des affaires moun ki nan société civile qui gen relation ak gang bandi sanction sa yo y a tombé nous tout a konnen de qui ça yo ye de qui ça yo fait et bien fois ça c'est occasion pour tout pays qui gagne ressortissant politique ou bien nèg ki nan secteur économique là qui se citoyen la kayo jan nou wè sa et pour et ancien président Michel Martelly ak tout Laurent Lamotte côté que jounen jodi an malgré Canada sanctionné yo mais nou wè jusqu'à date États-Unis pa jam ka rive sanctionné yo et nou konnen pour ki ça parce que moun sa yo yo bénéficié de protection légale aux États-Unis soit parce que yo ta citoyen américain ou bien yo réside de manière permanente aux États-Unis et bien par rapport avec sanction que Nations Unies a gagné pour le prendre yo. Pays sa yo a obligé rapide vite agir. Y a obligé sanctionner moun sa yo ki la kayo, y a obligé intenter action légale contre yo même avec des preuves que yo a gagné pour yo punir yo. Parce que sanction Nations Unies c'est pas un pays qui prend mais son institution qui la
pour combattre guerre, pour qui là pour combattre problème insécurité à travers tout le monde là, automatiquement pour une décision kounye a tout pays ça y a gagné pour yo soumettre avec décision et puis yo agir kounye a un bagage qui attire attention parce que nous songe le Canada et États-Unis prend sanction yo mandé pour yo bloquer toute transaction économique moun sa rab gen pour yo faire que ce soit et saisir bien yo bloquer compte en banque yo. Mais le n'a regardé en Haïti yon paquet de banque là et nous connaît banque commerciale yo tant par exemple l'on prend le cas de Sogebank récemment qui ça le fait au lieu que li gèle compte en banque personnalité politique yo et moun sa yo que Canada États-Unis sanctionné yo là d'ailleurs te gen Stéan Bodo ni Célestin Lacrier nous ouais Sogebank li prend décision li clôturer compte notaire Jean-Henri Stéan et c'est là tout problème nan li chita. Parce que yo prend décision pour yo geler compte yo, geler compte yo, saisir bien moun yo, etc. Qui différence qui gagne lo geler compte moun avec leur clôturer compte en banque moun nan? C'est deux bagay nettement différent. Lo geler compte là, l'argent li toujours disponible sous compte moun nan, mais moun nan pas gè accès avec li. Lo clôturer compte moun nan li pas client banque là encore, automatiquement le pas client banque là encore, l'argent ça ou remettre li. Jounen jodi an la, gen des séries de personnalités politiques acteurs politiques qui en bas sanctionné États-Unis et Canada yo majorité banque de dans pays yo pas gelé compte banque moun yo vous comprenez yo pas saisi l'argent yo pas prendre des mesures conservatoires contre bien moun sa yo au contraire moun sa yo qui gagne l'argent dans banque là yo remettre yo mettre l'argent disponible pour moun yo clôturer compte là yo bay moun non chèque de direction qui permet moun nan passer à la caisse récupérer tout l'argent gagné journée jodi an là si l'état haïtien t'a dit l'a intenté en action contre moun sa yo pas joindre l'argent pour yo saisir yo pas joindre compte en banque pour yo saisir pour yo geler parce que tout l'argent moun sa yo gen ta récupérer l'argent yo koun ya question a poser est-ce que c'est stratégie banque yo décider employer pour yo pas gen problème avec personnalité ça parce que l'on regarde yo fin sanctionner nèg ki nan secteur et politique là dans classe politique là les Yuri les Lambert Bodo etc. koun ya yo vin prend sanction Canada prend sanction contre élite économique là des séries de nèg qui gen des millions de dollars dans banque Haïti des séries de nèg tout qui fait de conseil administration qui c'est pas ton banque tout en Haïti. Donc par rapport avec situation ça, est-ce que même décision ça banque yo prend pour yo remettre par exemple yo remettre ces Soje Bank remettre en cobli, est-ce que banque en Haïti ça yo côté Sherif Abdalla côté Bidjo ta gen cob côté Renault Dib ta gen cob, est-ce que banque ça yo pral remettre moun sa yo cob? Et nous connaissons moun sa yo c'est des millions de dollars yo gagné. Yo go paquet l'argent kounye a par rapport avec situation ça kounye a qui ça qui pral fait qui ça l'état haïtien pral fait nous pas même besoin considérer qu'à côté l'état haïtien t'a décidé mandé banque yo faire des saisies sous qui base parce que au niveau de la justice yo pas fait aucune action légale donc là nous ka comprendre en Haïti Canada prend sanction nous même en Haïti c'est affaire pas nous n'a réglé États-Unis prend sanction nous même en Haïti c'est affaire pas nous n'a réglé et jour ta gen possibilité pour notamment pour l'état haïtien c'est-à-dire que pas gen problème y a prend des mesures conservatoires contre nèg sa sous l'agent nèg sa qui côté dans qui banque yo pral connait l'agent nèg sa parce que jodi an là pas une banque qui veut kembe comme nèg sa en Haïti. Est-ce que c'est stratégie pour ne pas perdre l'argent? Est-ce que c'est stratégie pour l'argent n'exagère toujours été à l'abri? Parce que nous connaissons comment nèg fait l'argent en Haïti. Nous connaissons qui stratégie nèg utilise pour faire l'argent en Haïti. C'est même nèg sa yo, jounen jodi an la. Nous reprocher qu'a fait concurrence déloyale, c'est même nèg sa yo encore qui fait partie de élite économique dans secteur privé des affaires. Jodi an qui décide de mettre tête ensemble. Yo décide de mettre tête ensemble pour jouer un accord, pour jouer un entente, pour retirer le pays à côté lié là. C'est déjà son bonne initiative. Déjà, mettez tout problème nous gagner de côté, mettez différent nous gagner de côté pour nous et pays avant tout, pour nous et Haïti avant tout, c'est une bonne chose. Mais, c'est parole liée, faut que nous commençons à passer de la parole aux actes. Parce que nous connaissons qui quantité l'argent, secteur privé, ça encore fait l'État haïtien perdu.
Nous connaissons qui favoritisme qui gagne en dedans pays par rapport avec secteur privé. Même dans secteur privé, il y a une bataille. Youn se ennemi l'autre, youn a bataille avec l'autre, youn a fait concurrence déloyale vis-à-vis de l'autre. Jodi an la ou nèg yo choisi, yo mette tête ensemble, yo pral privilégier principe légal, yo pral privilégier principe loi qui la yo sous commerce, loi qui fait sous base affaire etc. Yo pral permettre à ce que gagne investissement étranger qui fait, yo pral permettre à ce que diaspora vienne investir en Haïti. Journée jodi an la, est-ce que décision nèg sa yo prend tout bon le diaspora voye conteneur en Haïti pour yo pas kembel nan douane nan, pour yo pas faire toute stratégie, pour yo dire c'est eux même qui gagne monopole pour gado rentrer, c'est eux même qui gagne monopole pour durer rentrer, c'est yo gagne monopole pour mayonnaise rentrer en dedans pays an, pour yo pas boycotter diaspora. Est-ce que vraiment décision sa yo prend avec tout cœur yo? Parce que nous ouais, après Canada fin sanctionner nèg yo, fin sanctionner Bidjo Dib avec Abdallah, nous voyons comment on recul qui prend. Nous voyons comment secteur privé a prend recul. D'ailleurs, soit bien gardé, notre publié, il pas même une date. Ça veut dire nèg yo te ka fè sa ya fè depuis bien longtemps. Décision yo prend jodi an la pour yo mettre tête yo ensemble. Non, si vraiment yo te wè Haïti avant tout, yo te wè intérêt pays avant tout, yo connaît entre yo y a fait concurrence déloyale. Gen nèg ki la, gen nèg ki la ki gen franchise, li pa paye l'état on good tax non, kontenèl sorti gratis, même on good tax li pa paye l'état non, la fè million, la fè l'argent, produit nou pa ka contrôler produit, produit tout expiré a vann nan rayon market, yo pa ka pa gen moun ka contrôler bagay sa, ou pa gen moun ka veye droit consommateur en Haïti, ka protéger droit consommateur en Haïti, et pourtant yo konnen se concurrence déloyale, yo konnen se enrichissement illicite, yo konnen se corruption, yo continue la dan. Journée jodi an gen série de moun, c'est ça qui fait yo considérer que en tout ça que secteur privé apprend jodi an la, l'on regarde des séries de moun qui signent. C'est moun ou pas jam kon wè non, nan tant secteur privé apprend. Ou regarde des séries de moun qui regroupe jodi an nan tant ça ap jwenn groupe Bidjo la dan. Pour qui ça? Parce que yo son acteur clé nan économie pays yo, et jodi an la yo en bas sanction Canada, Gilbert Bidjo en bas sanction Canada. Donc automatiquement gon comportement doit gagner, gon comportement Dib doit gagner, gon comportement Bidjo doit gagner, gon comportement Abdallah doit gagner par rapport avec situation pays et par rapport avec ça reproché autour en dedans pays. L'autre manque qui est extrêmement important pour nous faire. Et si nous pas font revirement tout bon, ouais, si nous pas chavirer système ça pays a fin carré de côté li là. Journée jodi an, est-ce que c'est sous base sanction Canada après qui fait nèg décider mettre tête yo ensemble? M'pa ka djou, parce que depuis en août, nous devons apprendre les démarches qui a fait dans l'idée pour jouer une entente, regroupement patron, yo te chita avec différents autres monde dans secteur privé etc. pour te ka joindre une entente. Journée jodi an, l'op gade Canada qui sanctionne trois gros personnalités économiques de dans pays an, et quelques jours après, ou ouais, décision ça, li sorti en dedans secteur privé des affaires là. Li sorti dans clan nèg économique yo. Gon bagay pour comprendre. Pendant que nèg yo même yo gen des avantages économiques qui a fait en dedans pays, y a fait paquet millions en dedans pays, yo gen franchise, c'est eux même seul qui investisseur en dedans pays. L'état ba c'est tout normal, l'état ba yo franchise, mais en dehors du fait que la loi mette franchise pour yo pour un certain nombre d'années, yo même tout y a joué en bas table pour yo ka gen franchise net allé, et puis yo pas payé pour, yo pas payé taxe etc. Y a fait l'argent sans contrôle, y a fait l'argent sans que pas gen aucune institution vraiment qui ka mande yo compte, pas aucun monde qui ka pose yo question, y a fait l'argent. Mais en dépit du fait que jodi an la nèg sa yo influent, y a fait l'agence sans contrôler en dedans pays. Mais tout majorité nèg qui dans secteur privé des affaires là, mes amis, yo gen une protection, yon couverture diplomatique. Pour qui ça? Majorité nèg sa yo tande là, c'est consul honoraire yo. Devant business yo, devant entreprise yo, dans entreprise yo d'ailleurs, c'est souvent dans entreprise yo mette bureau consulaire là. C'est dans entreprise yo mette mission diplomatique là. Ou toujours ou un drapeau tel pays dans business yo, parce que yo représente pays ça en Haïti. Mais en nous sérieux, pendant nèg la li a fait fraude, nèg la nan corruption, nèg la krasé l'état comme ça, li prend l'état, li prend la justice, li mette l'nan poche, par un commissaire, par un juge qui arrive sous li,
Koun ya sa piret lan, li cherche une couverture diplomatique, li cherche une immunité diplomatique, li cache en dan koun ya. Même le nexa, nan business si, la fait trafic drogue, la fait trafic zam, ou pa karanik debake en bon matin, non pou al nan business si pou al fouye. Ou pa karanik debake, comme si nexa yo, toute information ta gen sou yo, y a toujours été suspicion. Et comme si son soupçon gen sou nèg lan, et comme si information gen li pa vérifié, même l'ta vérifié, même l'ta gen photo, oui, nèg en Haïti a fermé yeux parce que on a corruption et journée jodi an la yo pral dou, yo kou yo gen couverture diplomatique, que ceci yo cela, ou pa ka vraiment agir contre yo. Combien fois tande en Haïti, yo jamais rivé sou nèg sa yo, la justice jamais rivé sou nèg sa yo. Combien fois en Haïti où j'aime tendre un commissaire du gouvernement, un juge d'instruction, un ministre justice qui te font action contre nèg sa yo? Jamais au grand jamais. Et c'est une des raisons les yo dou nèg sa yo, c'est yo même yo sont partis dans système nan. C'est yo même qui a fait système nan marché, c'est ça lié. Journée jodi an yo utilisé nèg politique yo parce que non seulement yo contrôle l'économie, yo contrôle politique yo, c'est ça qui fait yo plenty chou, yo plenty souffle nan chou que l'opposition, que le pouvoir qui a déstabilisé pays an. C'est nèg tête grain yo mettez en face nèg tête grain pareil yo. C'est nèg tête grain yo fait abdétu nèg tête grain pareil yo pendant que yo même tout intérêt yo c'est faire million en Haïti. C'est ça qui fait jodi an là, moi même m'a gardé notre ça yo mettez dehors. OK, c'est une très bonne initiative. Décider ouais n'a craser pays, nous ouais n'a craser société, n'a détruire haïtien, sont bonne chose, mais faut que yo commencer suspendre parler pour yo agir. Faut que nèg ça commencer préparer pour yo rendre pour yo rembourser l'état haïtien des millions yo fait l'état perdu parce que yo pas jamais payer taxes. Nèg qui a prend franchise de manière illégale yo, faut que yo commencer rembourser l'état parce que n'a vivre dans un pays côté que yo pas bail jeune yo possibilité pour yo faire business. Jodi an l'on ta gen possibilité pour dire avoir deux conteneurs entrer en Haïti. C'est produit nèg sa yo vann en Haïti sou marché a. Kote ou jam ka de douanel, si conteneur sa tap de douane pour $10,000. Nèg sa yo fè ou mando n'importe $100,000 nan douane nan. Oui, finalement c'est pourri a prêté pourri, oui. C'est vè k'ap kale nan produit yo, oui. Comment pral fè de douanel kote l'argent? C'est ça yo fait, c'est comme ça yo a fait concurrence déloyale en Haïti. C'est comme ça dans zone non ka vinn ou implanter business ou et puis ou vend non prix, yo trouver prix an, li pas respecter marché et cetera, ou vend bagay la pou piyay et puis yo rive sou ou bandi débarquer sou ou, yo assassinon yo tout yo bien yo mette du feu dans business an, yo vandaliser business an. Gwo paquet ti jeune nan ki a fait business an dedans pays an. En pile fois kon tande gen manifestation, gen des choukay ki fait. Pensez ces manifestants yo kal fait des choukay comme ça. En plus, fois c'est moun qui infiltre manifestation comme yo on business nan même ligne yo wa ou vann bien ou vann à bon prix moun a vinn acheter bon clientèle yo besoin craser business ou manifestation etc. Là vous voyez des choukel yo craser yo mette à terre plat yo mette boudon à toi vinn pas ka faire yon merde dedans pays. Tout ça fait partie de concurrence déloyale là. Tout ça c'est pour yo repousser l'autre moun pour l'autre moun pas faire business en Haïti pour yo toujours gen possibilité pour yo faire million. En Haïti, de pou ka fè 1 million de goud son produit. De pou ka fè 1 million de goud son conteneur entre nèg yo et estime fè trop l'argent, fè trop cob. Y ap chèche façon pou yo bloke yo. Se yo pou fè million, se yo pou fè milliard, se yo pou gen monopole, se yo pou gen emprise yo sou commerçant en dedans pays. Eh bien, jounen jodi an la, OK, secteur privé prend décision, ou ap gade Laurent Saint-Cyrien, William Lemkesien, Raina Forbin, moun mazouka yo siyen, bidyo yo, moura yo, andal, on paket siyen. De série de gros bourgeois en dedans pays en siyen. Maintenant, quelle est la suite? Quelle est la suite? Ki kote nan ki kafoun bral kwaze ak nèg sa yo encore là en dedans pays? Ya ap mande élection, oui, fòk gen élection ki fèt en dedans pays. Fòk pays a gen stabilité, fòk pays a gen sécurité, ça est extrêmement important. Mais journée jodi an la, c'est même yo même tout. C'est même moun sa yo que États-Unis, Canada, et c'est même moun sa yo pendant n'a parlé à la Nations Unies reconnaître qui a financé insécurité, qui a financé gang dedans pays, et c'est même moun sa yo prévoit sanctionner. Et faut moi dit nous tout, Nations Unies yo espéré pour yo voyer une intervention en Haïti.
Est-ce que c'est à travers Nations Unies pour annoncer nous d'ici janvier à une intervention militaire qui a fait dans le pays? Nous pouvons connaître, nous suivons, nous prêter connecter pour nous connaître exactement de quoi il en est. Pour nous dit nous avons eu Bob Reki en Haïti qui a rencontré avec le groupe Montana, qui a rencontré avec Steven Benoit. En nous entendant qui ça Steven Benoit a négocié, qui ça a dit, qui ça a parlé avec la délégation canadienne. Bonjour à tout le staff Magic 9 et un bonjour très très spécial à monsieur Robinson Alphonse. Nous connaissons qui s'allie, nous dit le bon rétablissement, fait vite pour le tourner, pays a besoin. Donc, très disponible, monsieur Sénat, donc nous prêts à répondre à question. Nous très impatients pour nous retarder voir Robinson, nous espérons que c'est très bientôt. Merci sénateur d'être disponible pour nous matin, pour nous capable faire parler. Hier, comme premier ministre élu à Montana avec plusieurs autres collègues, eh ben, nous avons rencontré l'ambassadeur Bob Rae, qui est ambassadeur Canada dans les Nations Unies, qui est une mission diplomatique que Canada a dépêché en Haïti. Comment rencontre l'été passé? Qui s'en est discuté dans la rencontre hier, Steven Benoit? Bon, avant hier, nous jouons une invitation de l'ambassade du Canada qui t'a expliqué nous que y a une délégation de haut niveau qui est directrice et le ministère des Affaires étrangères, directrice et régionale Amérique latine et des Caraïbes, Mme Sylvie Bédard, et l'ambassadeur Bob Rae, qui est ambassadeur Canada aux Nations Unies, qui t'a visité le pays, qui a rencontré nous pour nous parler de Haïti. Donc nous-mêmes, rapidement, nous mettons notre travail, nous répondons positivement et nous formons une délégation. Deux membres BSA, deux élus, un membre KNT et donc la cité de Ted Sendik, Christine Stevenson pour BSA, James Beltis qui est président KNTA et M. Fidjan avec nous-mêmes. Donc c'était nous cinq et nous rencontrons cinq Canadiens hier. L'ambassadeur résident en Haïti, M. Carrière, deux conseillers politiques et deux membres de Douyo, Mme Bédard et M. Rae. Donc, je pense que la réunion très, très, très bien passée. J'en dis dans tout le monde. Pendant une heure et demie de temps, comme c'est pas nous demander, nous tendons ça, M. Rae et Mme Bédard dit. Et nous-mêmes, depuis que nous avons toujours demandé pour nous gagner, ça nous relève en mémoire. Ou là nous fin parler avec étranger ben mon n'a parlé a pour lui clairement le gêtre pour repasser ça te dit là pour clairement comprendre ça te dit donc nous remettre yo à la fin et à la fin de conversation nous un document de 4 pages qui c'est aide mémoire nous même j'ai été faire avec monsieur Nicolza et document ça apprendre public après-midi a nous devons assurer nous que toute instance dans Montana rejoindre quelques heures avant le grand public. Donc, je garantis, après-midi, le document de 4 pages sera rendu public. Mm-hmm. Alors, qui ça nous parle de eux avec eux? C'est exactement nous, puis c'est exactement ça que nous avons là. Nous-mêmes, nous avons 3 points nous avons parlé avec eux. Nous parlons avec eux de sanctions économiques et administratives qui prennent à l'encontre de certains potentats politiques et économiques qui liés à la déstabilisation du pays. Et nous-mêmes, nous disons, nous d'accord sur eux. Mais, il faut des preuves. Et puis tout, il faut avoir une force côté. Ce n'est pas une sanction politique liée. Mais je me rappelle que M. Carrière a dit dans un tweet le 24 novembre, il te faut rappel, juridique, pas politique, sanction, c'est instrument légal, pas instrument politique. Donc nous prenons au mot et nous disons, nous comptons que le Canada a aidé nous. Mais nous-mêmes, éventuellement, si Montana arrive dans tel pays, dans l'administré pays, nous avons besoin de toute documentation ça yo, pour nous faire suivi de sanctions. Yo. Parce que je vais expliquer, comme c'est mon capable de sanctions hier, je dis, gel, qu'avait dit, éventuellement, dans quelques semaines, dans quelques mois, dégel. Donc, à geler bien mon yo, à prendre une politique, ou dégeler. Donc, si effectivement, mon sa yo, yo accusé de détournement de fonds, blanchiment d'argent, et support aux gangs qui kidnappé, tué, assassiné. Donc nous dit on ti sanctionne que je les font pas assez, faut moun sa yo éventuellement sanctionné par l'état haïtien pour passer devant juge naturel yo et puis pour sanction encore plus lourde prend devant yo. Mais comme nous poko là, mais nous même nous dit c'est un pas dans la bonne direction. Donc c'est assez moi qui t'ai parlé de sanctions. Et puis deuxième point, parce que hier, nous avons fait partage de travail là.
Donc, l'autre membre, Ted Zendik et Fritz Jean, et Christine et James, nous te parlé tout de assistance technique et logistique à l'État haïtien. Nous clairement exprimé et position nous. Nous comptons une nouvelle intervention militaire en Haïti et nous connaissons ça, ça te bail. Mais nous dit par contre, nous-mêmes, nous pour faire 20 000 personnes qui ont débarqué, qui en mettent et seigneur à côté de l'État haïtien et qui était déjà failli, plus en faillite. Parce que 20 000 soldats n'ont pas porté rien à l'État haïtien, c'est venu, ils ont fait ça, ils ont voulu, ils ont tourné. Nous-mêmes nous disons, clairement, et dans le document nous dit, nous pour une collaboration, nous pour une coopération, et nous-mêmes, malgré le MDM, nous pour une coopération bilatérale avec le Canada pour aider la PNH. Comme il était fait déjà, et la fête depuis la création de la police depuis 1994, nous disons même assistance ça, nous-mêmes dans nos modèles. Mais c'est une assistance, comme d'habitude, qui pour sous contrôle l'État haïtien. Parce que je suis assistance, même pas je suis un pays à même. Donc, je dis que M. Ariel Henry Jodia, qui est illégal, inconstitutionnel, et maintenant illégitime, parce que c'est illégal, inconstitutionnel, mais à travers travail, à travers effort, à travers considération, à travers compassion pour le peuple haïtien qui est en misère, ou te abini, vin prendre un type de légitimité. Mais nous, Ariel Henry fait justement le contraire de ça, nous t'a demandé, donc, premier ministre. Donc, nous disons, et nous pouvons, nous disons, demande de M. Henry, c'est une demande entachée d'illégitimité, son demande illégale, son demande qui est à l'encontre même de la Constitution haïtienne, et nous dit, demande lien, nul et non avenu. Et nous-mêmes nous disons que c'est toute population qui condamnait crime de lèse-patrie, M. Fait, leur demander ou évasion ou occupation massive du territoire haïtien. Et M. Benoît, dans la demande de battre et terme ça ou non, qualificatif ça, évasion et débarquement, etc., il te demande une assistance et en termes de sécurité pour être capable de mettre fin avec crise humanitaire et sécuritaire. Maintenant, nous parler avec. Il a demandé dans le texte, en nous clair, c'est une intervention étrangère, il demande, et il pratiquement demande musclé, parce qu'il demande sur tout le territoire. Pour couvrir tout le territoire. Oui, mais il n'y a pas de demande d'évasion. Il n'y a pas de demande d'évasion. Évasion, là. Ok, bon, ça c'est l'interprétation. Ok, ok. Maintenant, on va aller très bref. Et puis, alors, troisième point, nous parler, nous parler de la reconstitution de la gouvernance nationale pour un pouvoir de transition nationale. Je veux dire, nous dit que le pays n'a pas de chef d'État, justement. Donc, c'est un chef d'État seulement qui t'a commandé une coopération, une collaboration, ou même en assistance. Donc, je dis à la, pas un chef d'État. Donc, nous-mêmes nous disons pour nous reconstituer l'État en ayant, j'ai constitué de là, un exécutif bicéphale avec notre tête, un président de la République avec un premier ministre. Malheureusement, pas un parlement pour ratifier le premier ministre, mais comme c'est une transition de et c'est un gouvernement de transition, n'a fait, parce que nous ne pouvons pas venir et John Drew dit dans le montant depuis l'année dernière, c'est une transition de rupture avec. En ligne de mire et en conclusion, dans moins de 24 mois, c'est des élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc nous-mêmes, nous parlons de ça et nous disons, nous supposons, nous finissons compte par cœur. Et feuille de route Montana, nous comptons encore là par cœur. D'après, j'ai parlé à moi, nous connaissons très bien. Et nous-mêmes, nous disons, et nous avons feuille de route sous sécurité, nous avons feuille de route sous relance économique. Et tout ça, nous parlons de eux, mais nous disons, seul pour toute relance et bataille sécurité, relance économique nan, et élection, c'est un gouvernement de transition qui a fait nous clairement exprimer que le gouvernement qui l'a, il a 18 mois depuis qu'il a gagné pour faire élection d'abord l'année dernière, c'était le mandat, M. Ariel Henry, il n'a pas fait. Il a vu une promesse à faire élection dans mi-temps 2022, il n'a pas fait. Il a vu une promesse à faire élection dans fin année, ça, il n'a pas fait. Qu'on est à la première élection l'année prochaine, tout le monde connaît M. Henry, incapable même pour restaurer la sécurité dans le pays, qui est priorité numéro un de tout Haïtien qui vit et sous territoire et dans la diaspora qui veut rentrer la CAIO, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Et M. Henry montre qu'il est incapable. Okay. Donc, pour expliquer, tuteur Lio, que M. est incapable de restaurer la sécurité, parce que ce n'est pas Montana, ce n'est pas l'opposition qui empêche M. restaurer la sécurité et ou restaurer. Ouvert ou bien ouvert ou partisan,
mettez sécurité la boule, mettez sécurité ça vient, mettez okay. sécurité Monsieur Benoît. Et pas de bouquet et autres. OK. Monsieur Benoît, le dans Montana nous rencontre nous encourager sanctions et nous demander autorité canadienne nous dit faut gagne preuve qui ça va te répondre nous par rapport avec les préoccupations ça. Non, bon, éventuellement, il m'a dit à Banoumi, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas autorité constituée pour le moment, mm-hmm. mais nous-mêmes, nous dit, nous expliquons clairement que le gouvernement qui l'a, d'ailleurs, il n'a pas fait suivi, d'ailleurs, nous dit, c'est un prolongement d'un régime corrompu, et en final, gardez bien pour eux, et mon Canadien, eux-mêmes, que vous sanctionnez, et entre autres, il y a un ancien président de la République qui n'a pas élu, qui a été imposé dans le pouvoir. Un premier ministre qui n'est pas éligible, et je continue à dire, pour ça, parce que le n'est pas président en Haïti, etc., il n'est pas satisfait. C'est pas blessé, je vais écrire pour ça. Il n'est pas satisfait prérogative constitutionnelle pour le premier ministre. Donc nous-mêmes, nous disons que avec les gens qui l'ont, ce n'est pas bien sûr pour sanction. Okay. Parce que comme on a voulu pour le régime, a sanctionné patron. OK. Donc nous-mêmes nous créons sous ça. OK. Maintenant dans rencontre là nous-mêmes dans comme représentant Montana nous t'ai exprimé lecture nous de crise là et position nous. Est-ce que monsieur Ré avec équipe qui t'ai accompagné là et leur t'a parlé tout, il t'ai montré nous qui compréhension de crise là et si oui qui t'ai compréhension de crise là qui j'ai exprimé ça et c'est bon. Bon. Sous le tweet et ambassadeur Carrier fait et sous rencontre nous parce que lui fait trois tweets, une sous rencontre avec PM non, une sous rencontre PM de facto on dit clairement, une sous rencontre Panouan et une sous rencontre avec monsieur Jackie Lemar. Et par contre c'est oublié mais le n'a pas entré, il y a un secteur privé là, on a un branche secteur privé là, on a des représentants du secteur privé qui est là, malheureusement moi n'ai pas tweet de lui et pas une photo de rencontre ça. Donc nous même ça y était stressé c'est et avoir des élections le plus tôt possible et nous expliquer nous-mêmes nous pour des élections le plus tôt possible et m'expliquer moi-même qu'à parler avec votre serviteur malgré l'élection deux fois et me prêt encore dans la mesure du possible si mon gouvernement est stable pour me donner une élection depuis 2-3 ans mais malheureusement et depuis le Jovenel Moïse Monté ou depuis le Michel Martelly Younadero pendant 10 ans Younadero Paris s'y font élection. Donc nous dit peuple là lui-même dans livre là l'élection mais pour aller l'élection faut des conditions qui réunissent et une première condition pour réunir c'est la sécurité et nous expliquer encore j'en dis tout là pour ne pas faire répétition gouvernement qui là ça a pas intéressé à restaurer sécurité parce que depuis tantôt 18 mois monde qui habitait une série de zones obligé de quitter la caillou ne pas traverser pour aller dans le grand sud si c'est pas avion ou pas cabaler dans le grand sud sauf sous risque de mourir chaque jour. Donc, nous très clairement expliquer ça. Et, j'aime dire là, et être mémoire là, comme disponible pour toute population, putain, nous pouvons clairement exprimer et comment pour nous arriver à restaurer éventuellement l'autorité de l'État et comment pour nous arriver dans l'élection. Et nous disons nous-mêmes dans Montana, nous pour des élections, d'ailleurs, c'est priorité, nous tenons feuille de route, nous, parce que nous connaissons, nous pas des élus, faut que pays ait élu, mais pour être élu, faut qu'on conseille de mise en place pour faire. Et une mise en place, c'est surtout la question de la sécurité pour moi qui est primordiale, c'est l'urgence des urgences. Au sous-magique 900.9, on va suivre le panel magique. On a parlé avec Steven Benoît, c'est premier ministre élu à Accord de Montana. On a parlé avec lui autour de rencontre que le représentant Accord de Montana a gagné hier avec l'ambassadeur Bobré. Et M. Benoît, puisque nous avons parlé de sécurité, et selon lecture Montana, M. Henry, et selon, et non seulement selon lecture Montana, mais selon ça, tout le monde est capable de constater, M. Henry n'est pas en mesure pour lui assurer sécurité ou bien pour lui rétablir sécurité dans le pays. Et plus. Et ça fait plus passer un an et plusieurs mois depuis les sous pouvoir. Maintenant, il y a une critique que l'ambassadeur James B. Foley, qui est ancien ambassadeur États-Unis dans Port-au-Prince, c'est lui-même qui fait dans un article d'opinion qu'il a publié sur Politico. Et il fait une critique sur le groupe Montana. Il dit nous incapables pour nous articuler qui gens nous capables de mettre en œuvre vision nous face à violence brutale gang qui mène pays à un point anarchique qu'il trouve là. Dans ce qui semblait une forme de pensée magique, dirigeant Montana a affirmé que, et une fois que vous formez un nouveau gouvernement,
libéral bénéficier d'un aura de légitimité unique qui pourrait permettre que d'une manière ou d'une autre nous remporter victoire sous gang criminel yo avec moun qui a financé yo. C'est ignorer à la fois la puissance de feu des gangs et la mesure dans laquelle ils peuvent désormais opérer de manière autonome. Ou une réaction par rapport avec lecture ça que James Bifolé fait sous nous? Bon, moi-même, ma réaction sur lui, oui, mais d'aller me dire avant tout, Monsieur Folly te dit, parce que peut-être ou pas lit tout bah, la jodia, mais Monsieur Folly dit, meilleure proposition qu'il a, Monsieur dit, Ariel pas capable, il dit le texte, il dit la meilleure proposition qu'il a, c'est la proposition de Montana. Il dit, tout ça qui sorti la Folly calqué plus ou moins sous modèle Montana, qui présentait un président, un premier ministre, et il parlait de feuille de route Montana. Et il dit, c'est un bon document, et son document pour nous puiser là-dedans pour sortir de crise là. Ça, faut nous dire pour auteur, pour auditeur qui n'a pas accès à document et M. Folly. Je n'ai pas pour me tweet et document, parce que je n'ai pas travaillé pour M. Folly, je n'ai pas travaillé pour l'ambassade américaine, mais je devrais clairement, pour la population qu'on est, je Folly, et l'ambassadeur qui est en Haïti pendant le coup d'État 2004 là, il clairement exprimé, il dit que c'est Montana, c'est la meilleure forme. Maintenant, l'année écrit Montana, et en juillet, en août 2021, situation pas de salier là. Donc, et ça peut nous toujours dire, ça peut Montana fait deux grandes rencontres et en octobre et en novembre de année ça. Deux grandes rencontres, une défaite Montana, une fête il y a deux semaines dans le Caribe. Côté que nous dit, document, faut nous actualiser, il faut nous améliorer de temps en temps. Mais on ne peut pas tout dire aussi dans un document de deux pages, de trois pages ou de dix pages. Faut gagner tout un document. Et spécialisé sous et sécurité. Nous-mêmes, au niveau de Montana, nous citons avec plusieurs experts en sécurité publique et qui bah, nous des conseils. So, nous-mêmes, nous faisons entrevue, ou bien nous passons nos bails feuilles de route là, ou bien aide mémoire là, c'est pas nous-mêmes qui étions sans expérience qui deal. C'est nous nous consulter et qui dit nous, voici la meilleure marche à suivre pour établir la sécurité. Et nous mettons certains éléments en dedans. Aide mémoire là, parce que nous n'avons pas dit tout bagaille dans aide mémoire là. Et hier, même hier, nous avons dit ambassadeur, en matière de sécurité publique, et l'étape intéressant pour éventuellement pour l'autre rencontre qui fait avec les experts en sécurité de Montana, avec experts en sécurité canadiens, pour nous voir dans quatre accords, et bien dit dans quatre accords qui viennent pour signer éventuellement avec le président de la République, parce que la constitution très claire, tout traité, convention et accord, il doit être signé par le président de la République. Il ne faut pas faire erreur en 2004, là, quand c'est son premier ministre qui a signé accord à ministre, je me rappelle ça, c'était un accord illégal et inconstitutionnel, et nous dit, demande M. Ariel Henry Fea, puis illégal et inconstitutionnel. Donc nous-mêmes, éventuellement, le bon président qui est installé dans le pays, le président qui est poursuivi avec le conseil des ministres, pour élaborer un accord avec, ou bien bilatéral avec les Canadiens, ou bien multilatéral avec l'ONU, il n'y a pas de problème avec l'ONU, non. C'est Jean l'ONU traité Haïti ces dernières années que je m'a dénoncé depuis 20 ans et je continue à dénoncer, mais dans le cas d'un accord, il est beaucoup plus clair. Mais il faut me dire, gagner une sorte d'attaque méchante qui a fait contre Montana, gagner un dénigrement même d'un certain monde, d'une certaine entité qui a fait de Montana. Qui a dit oui, n'a pas goûté entre nous, nous pas entendre nous, nous pas comme ça nous voulait. Nous connaissons exactement ça nous voulait. Au niveau de Montana, nous très unis. Oui, des fois, nous avons droit de laisser 1200 entités qui sont à côté, ou qui ont des accords sur point X ou point Y. Par exemple, écrit et aide mémoire d'ailleurs, son d'ailleurs 4 pages, il y a un paragraphe, il y a d'accord, peut-être pas d'accord, Fritz qui est d'accord, Christine pas d'accord, ou bien James d'accord, moi pas d'accord, et ainsi de suite. Mais on arrive toujours au niveau de Montana à résister à toute tentative pour diviser nous, pour écraser nous. Nous même nous suivons à notion de temps, nous gagnons 18 mois là, tant bien que mal, nous restons unis, nous avançons. Donc, tentative d'intimidation, certains mon affaire, tentative de craser Montana, diviser nous, ça pas passé. D'ailleurs, hier, c'était un Montana, encore une fois, uni, qui a eu cette réunion avec la délégation canadienne. Côté, comme d'habitude, réunion nous était bien préparé. Chaque membre de délégation était connu sur qui sujet il a parlé et pas de distraction dans le travail à faire. Et jusqu'au moment où on a parlé là, pas de
aucune distraction qui va écraser Mondana. Mondana reste uni. Donc, nous avons un document clair, précis, qui signé l'année dernière et n'a respecté document à la lettre. Donc, nous parlons nous dit nous toujours ouverts à consensus, nous prêts pour nous parler. Et par exemple, on va tout dire où, si vous nous faites lien, secteur privé à soi sur notre. Moi même retrouver en pile magique dans ça veut dire toute nouvelle sans stress. OK. Secteur. Avant nous arriver sur le secteur privé, donc en clair et dans Montana, c'est pour penser magique, nous on plan très clair pour nous résoudre problème de sécurité, si vous comprenez. Mais nous sommes des hommes et femmes responsables dans Montana, monsieur Sénat. Okay. Comment capable dit nous pas résoudre problème sans nous pas jamais chita à monde. Moi m'a pour dire encore, nous chita avec des experts en sécurité publique régulièrement. Et moi quand même jour hier matin avant de descendre Pétionville pour aller en réunion, nous faisons une dernière consultation encore okay. avec un militaire, avec un expert en matière de sécurité publique qui était vraiment des bullet points pour nous mettre, pour nous compléter le document hier après. Donc nous espérons, M. Benoît, nous avons eu l'autre occasion pour nous parler sur sécurité, pour nous mieux comprendre les visions de Montana, si toutefois nous arrivons sous pouvoir, qui nous a résoudre des défis qui ont et dans le moment où nous parlé. Maintenant, le secteur privé a effectivement hier sur une prise de position, côté il dit qu'il mettait fin, et il voulait mettre fin avec tout ça qui a divisé, et il a demandé la classe politique là tout pour lui faire un dépassement, pour lui proposer une solution de sortie de crise. Avec un large consensus. Ou gen une réaction sur ça? Oui, il y a une réaction. Et moi, Lille, c'est pas de d'ailleurs, c'est pas de nous après contrat avec la délégation canadienne dans notre sortie. Pour moi, je me dis, ils font une erreur. Ils passent et n'ont pas de date. Donc, ils sont nous d'acheter au corriger et ils ont diffusé les. C'est la folle bonne date. Deux, moi, dans le deuxième paragraphe là, ils ont dit, et bon, j'aime tout là, pas aucun membre signataire accord là dans réunion hier et pas aucun membre dans réunion avec délégation canadienne qui signe note là. Donc on pas connait si gon friction entre eux, mais espérer pas gain ça parce que j'ai dit à yo uni et même ta aimé honnêtement que était vraiment yo uni. Bon, il y a plusieurs associations et il y a plusieurs chambres de commerce, il y a un regroupement patronal tout, c'est peut-être dans monde qui t'a rencontré avec Canada, peut-être qu'il y a monde qui sorti dans regroupement ça. Non, m'espérer ça parce que moi-même, je prends au mot parce que eux-mêmes qui dit et notre troisième paragraphe là, ils mettent fin à division qui est dans le mitan. Donc, m'applaudis dès demain parce que même pas j'aimerais mettre division. Mais, vous connaissez encore une fois, le secteur privé à l'Illage, l'Empile, à l'Ipluriel, l'Ipot-au-Prince, l'Ipfort-Liberté, etc. Donc, vous pas j'aimerais d'accord sur tout le bagage, mais moi-même, je suis content que vous avez fait à division. Et moi-même, je suis très content, conseil de monde. En Haïti, qui a 20-30 ans comme chef homme d'affaires et femme d'affaires, il n'a jamais signé aucun note de presse. Et hier, pour la première fois, moi, j'ai signé, moi, content. Et il y a des gens qui n'ont jamais signé avec l'autre monde qui est dans le même secteur avec eux. Et moi, pour la première fois, en Haïti, moi, j'ai deux, moi, j'ai des gens qui signent ensemble. Donc, moi, content. Maintenant, avant le quatrième paragraphe, là, il a demandé pour acteurs politiques qui étaient de côté ou bien résoudre différents au sein délai et puis signer un accord politique qui établit un gouvernement d'unité nationale qui pourrait inclure le plus grand nombre possible d'acteurs avec une feuille de route qui claire qui menait à réalisation d'élections honnêtes, transparentes, équitables dans un délai qui est raisonnable. Vous avez une réaction sur ça? Vous demandez ça? Je dis mieux, même mieux voter que jamais. La société civile, les partis politiques, les organisations populaires, nous-mêmes, depuis l'année dernière, nous étions devant. Pendant que nous n'avons pas de quoi gagner, parce que dès commencé, ils ont dit le temps est grave, l'heure est grave, dans le deuxième paragraphe-là. Nous-mêmes, dans Montana, depuis l'année dernière, nous avons dit l'heure est grave, c'est ça que fait. 13 personnes qui étaient dans la commission qui cherchaient une solution à cette crise-là, ils n'étaient pas courus. Tout le pays a rencontré tout parti politique, toute organisation société civile pour nous mettre tête ensemble parce que nous avons dit déjà nous-mêmes, l'heure est grave. Et l'heure est grave là, comme nous avons dit grave, nous avons obligé de mettre ensemble et nous avons sorti avec une signature d'un accord qui a une feuille de route clairement explicité qui dit nous devons aller vers des élections le plus rapidement possible, mais te dit, nous avons un problème de sécurité pour nous te mettre et pour nous te restaurer, et ainsi de suite. Donc, je dis à là, nous-mêmes nous disons bravo, secteur privé a fait un travail pas là. Donc, on est là, rester pour Montana, rencontrer avec le secteur privé des affaires, ça, qui est signé un document, nous pensons le plus rapidement possible pour former une délégation, pour rencontrer une délégation Montana, et pour nous montrer,
tout ça yo dit là, nous-mêmes nous te dit déjà et nous très content que yo rendre yo compte et admettre gagne en mitant yo qui était dans corruption, qui était dans contrebande et yo même yo dit il y a prend disposition dans quatrième paragraphe là pour ça pas jamais fait encore. M'a dit yo dit il a fait des réformes sur des pratiques commerciales internes pour promouvoir la transparence, la concurrence loyale et le respect des normes. Mais une des bagages qui est plus intéressant encore, il dit, et dans peut-être le 9e paragraphe là, il a demandé pour nous retourner dans la souveraineté nationale. Et c'est ça Montana a dit depuis longtemps. Et moi, il dit, et dans le 7e paragraphe là, et dans le 10e paragraphe là, il a dit, en tant qu'Haïtien, nous restons attachés à la pleine indépendance de notre République. Et dans le 10e paragraphe là, il a dit, la souveraineté nationale à laquelle nous aspirons tous. Donc tout ça, maintenant, simplement, m'a dit, ce sont des phrases que nous-mêmes, dans Montana, nous avons prôné depuis un an et demi. Okay. Et dans le dernier paragraphe, je vais permettre de faire ça, dans le dernier paragraphe, il a dit, il a demandé un recours à l'assistance sécuritaire extérieure. Et il a demandé, il a espéré ça, cette dernière fois, il a demandé une assistance. Nous-mêmes, nous demandons assistance, parce que nous sommes en danger, nous demandons assistance. Et moi, assistance, il est convenable là, mais pas oublier, leur demande assistance. Donc, mon gars d'assistance, c'est eux qui sont en charge. Et je veux dire, ça, c'est différence nous-mêmes à une équipe de mon gars dit pour blanc débarquer, vite faire tout bagaille pour nous. Nous-mêmes, nous disons non. Nous disons, faut ou penser à son besoin vraiment. Faut qu'on mette sous un document qui c'est un accord ou un bilatéral ou multilatéral. C'est ou même demandeur qui compte son besoin. Et puis, là, ça, ou demande son besoin. Et puis, il y a un monde, un pays, ou bien un groupe de pays qui a venu assister. Et nous-mêmes, dans le monde, nous dit très clairement, dans le training, dans la logistique, etc., pour aider la police. Nous, et nous avons l'armée, tout quand même, parce que nous avons toujours constitution prévoit on l'armée. Et nous avons 1000 monde, nous avons 1000 militaires qui sont très expérimentés pour nous mettre au travail, okay, au service du pays. Okay. Donc, nous applaudissons. Nous applaudissons le document secteur privé. Nous applaudissons dans le même ancien membre secteur privé. Et nous-mêmes, nous allons voir le plus tôt possible si nous avons fait contact avec eux pour ça y a demandé. Et le gouvernement de consensus y a demandé. Parce que monsieur, papa, le gouvernement y a là. M'espérez ça pour eux. Je ne vais pas parler là. Ils ont rendu compte tout, même gens avec nous, que ce gouvernement est incapable de livrer la marchandise. Donc le moment est venu pour le secteur privé, pour le mettre avec Montana, qui est là-dedans déjà, la société civile, une partie, j'ai bien dit, une partie des partis politiques, les organisations populaires, nous-mêmes représentons tout le groupe ça, et nous allons mettre ensemble pour nous parler avec eux, pour nous sortir de crise, sans négliger certaines autres, je gagne l'autre organisation politique qui n'ont pas qu'être monde de bien, monde qui n'a pas qu'un doute sous comportement ces 20 dernières années, nous cachons là avec eux tout, pour nous sortir avec un document qui est finalement de sauvetage national. Même si ça n'a pas prôné depuis un an et demi, et nous très 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 contents que le secteur privé a finalement compris le travail que Montana a fait depuis 18 mois. Donc nous même nous très disponibles et disposés pour nous citer avec eux et les autres organisations politiques qui passent à de Montana pour nous mettre ensemble et un document qui pourra prôner la transition et couper fâché n'a pas la transition de rupture là, qui pourra éventuellement mener nous dans 18 à 24 mois à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc, est-ce que sous demande pour nous résoudre des différents et puis pour nous signer un accord politique, est-ce que Montana est prêt pour le transcender sur certaines aspirations pour y aller chita avec Primature, chita avec accord Louisiane et l'autre différents accords qui gagnent pour nous capable tenter jouer une solution consensuelle à la crise là. Alors Montana nous-mêmes nous toujours ouvert au dialogue. N'a pas parlé depuis janvier 2021, ça parce que même Montana c'était solution, c'était commission qui était 13 membres, non, bah ben c'est non monde tout monde fin connaît yo. Et jusqu'à hier où on a parlé, semaine dernière nous t'a parlé, il y a deux semaines Montana de gain gros symposium côté tout monde devini pour ba opinion et opinion pas obligé toujours même non, c'est beauté dialogue là, tout monde cabine à opinion nous. Nous même n'a continuer faire, n'a continuer pas là tout monde. Et même avec Ariel nous parler, mais avec Ariel Henry nous battre trop bail pour dire c'est qui veut la démissionner. Nous clair Ariel qui c'est le problème, pas qu'a vite subitement vite la solution. Ça non, faut Ariel transcender, Montana transcender et nous toujours dit, il pas obligé moi ma Fritz Jean qui installé
nous même c'est une proposition de Montana. Si gen l'autre organisation, groupement politique qui gen une proposition de un l'autre premier ministre, un l'autre président ou bien secteur privé a gen une proposition de premier ministre ou de président, moi même j'ai toujours dit pour le pays, par amour de mon pays que j'adore, moi même je suis toujours j'ai dit tantôt il y a en janvier et m'a pour dire aujourd'hui à pour clair pour tendre la deux oreilles que ce Sénat tout auditeur, moi même pas obsédé par le pouvoir. Je passe dans le pouvoir déjà, je connais ça pouvoir. Le pouvoir là, il gagne prérogative, mais il gagne responsabilité qui marche avec elle. Moi-même, je pense que je suis un bon premier ministre, mais si après débat, après discussion, secteur privé des affaires ou autre parti politique pense que ou l'autre femme ou garçon qui a fait travail là, peut-être mieux que moi, je suis prêt à me retirer humblement pour okay. Toute la vie pays et dans l'autre poste ou bien. Même pas dans le public, on va retourner dans le privé et on continue à servir le pays. Donc nous-mêmes, un pile monde a dit, et là c'est ça, méchanceté, hein, que nous pas flexibles, nous ne parlons pas la monde. C'est pas vrai. Nous sommes là, nous parlons à tout le monde, nous pas une invitation de ou instance internationale là, ou bien une instance politique ou privée en Haïti ou même dans la diaspora. Ils ont invité nous, nous pas déplacer, nous acheter billet, nous allons rencontrer eux, ou bien nous faire zoom, nous rencontrer eux, ou bien n'importe quelle personne là. Nous start machine nous, nous déplacer dans le rencontre. Donc Montana reste ouvert et nous-mêmes, ces solutions n'a cherché, c'est okay. Pour pouvoir nous prendre à tout prix. Nous-mêmes, et priorité nous, t'es et la prêté Haïti. Nous besoin que Haïti prospère, côté il fait bon de vivre, parce que c'est une plus belle pays au monde nous y est. Côté que nous-mêmes nous besoin, c'est touristes qui rentrer dans le pays à venir dépenser pour nous remonter l'économie. Mais encore une fois, ma présidente, pour toute belle base à réaliser, et priorité numéro un, c'est restaurer la sécurité sur tous les territoires nationaux. Et nous-mêmes, dans le monde, on a travaillé sur ça depuis des et des mois. Et nous-mêmes, si nous arrivons, et chez nous, qui arrivons au timon des affaires, nous-mêmes, on se prépare déjà. C'est pas l'enrivé, nous pouvons chercher pour nous, comme on appelle, quand vous cherchez M. Folli. Peut-être que M. Folli n'a pas les informations qu'il fallait. Mm-hmm. Nous-mêmes, si M. Folli, comme l'attend des interviews éventuellement, il y a voué le balai quand même. Nous-mêmes, nous sommes prêts aussi à converser à M. Folli. Peut-être qu'il mal comprendre. Peut-être qu'il y a une campagne de dénigrement de Montana, plusieurs mondes à fait. Et nous, on qui est sur nous-mêmes, nous prêts pour expliquer à M. Folli pour le prochain interview, l'affaire ou le prochain article à écrit, pour mieux comprendre dynamique Montana. Merci à Pierre Sylvain Benoît d'être été disponible pour nous. Nous avons fait 15, nous fait 35. Merci à Pierre. Bonne journée. Merci M. Sénat. Et comme je remercie le fait que vous pas diffuser documents, j'en te promets bien. Je promets que après-midi, j'apporte entre guillemets autorisation pour discuter, pour diffuser documents. S'il est quand même peut-être demain nouvelle liste, quand même et j'en fais pour secteur privé, s'il est diffusé par nous pour nous demain matin tout, M. Duval, n'est-ce pas? Nous sommes bien contents. Et nous-mêmes, nous avons remis après-midi sur tous les réseaux sociaux, documents et aide-mémoire Montana, parce que nous-mêmes, dans Montana, nous prenons la transparence pour tout le monde connaît ça, nous dit, ça n'a fait. Merci un peu, M. Sénat. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne journée, M. Benoît. C'était ça. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, mon dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle, nous bral la balle.